Phobos. Allez. Cassandra. Darius. Je t'ai entendu arriver, tu sais. Je ne me cachais pas, tu sais. Mm-hmm. Ça fait plaisir de te voir. Tu l'auras manqué. L'or ne pousse pas sur les arbres, Darius. D'ailleurs, Nataka s'occupe très bien de la maison. L'aventure est une douce compagne. Je n'ai longtemps pensé qu'à la Perse. Elle était mon seul but. Mais le devoir d'un père, ce n'est pas l'ambition. C'est la famille, Cassandra. Comment va mon fils ? Oh, mais il est en grand danger. Elpidios a disparu. Comment ? Oh ! Il joue à cache-cache. Encore ? C'était aussi le jeu préféré de Natakas quand il avait l'âge d'Elpidios. Comment vont-ils ? Il s'habitue à vivre en sédentaire, comme moi. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Tu as des nouvelles de l'Ordre ? Non. Plus de nouvelles depuis l'affaire de la tempête. Et ça ne leur ressemble pas. Elpidios est toujours au même endroit ? Il adore cette plage. Va donc retrouver ton garçon. J'y compte bien. Après toi, Darius. Viens, la plage est par là. Toujours aussi rapide, hein, Darius ? Peut-être que c'est toi qui vieillis.
quête du dios ? Évidemment. J'ai affronté des murs de flammes, fait face à des ciels noirs de flèches, et croisé plus de bêtes sauvages et d'armes qu'Héraclès en personne. Mais tout cela n'est rien face à la maternité. C'est un autre genre de combat. Tu t'en sortiras, Cassandra. Tu t'en sors déjà très bien. Mais où peut bien être Elpidios ? Elpidios ! Elpidios, où es-tu ? Maman va te trouver. Voyons, mon petit guerrier adore jouer avec les jarres. Est-ce qu'il ne serait pas... ici ? Tiens, il n'est pas là. Il est où ? Il est où, mon bébé ? Il est où ? Elpidios et son papa pourraient bien se cacher dans cette épave. Allons voir. Ah ah ! Je t'ai trouvé ! Oh, maman est une sacrée mystiose. Et elle comptera cette grande aventure pendant de nombreuses années. Et comme elle est mystiose, n'oublie pas de la payer pour ses héroïques services. Ah, le tarif habituel. Bienvenue chez toi. Vous m'avez manqué, mes amours. Tous les deux. Alors, comment va notre petit guerrier ? Encore parti à l'aventure, j'imagine ? Oh, un cyclope ? Pas possible. Oh, combien d'Athéniens tu as tués ? Oh, impressionnant. Mais tu bats le record de Brasidas ? Arrête ! Comment vas-tu ? Bien. En sécurité. Détendu. Sauf que notre petit guerrier a de l'appétit. Gourmand va. Darius m'a envoyé un message. Quelque chose. À propos d'une fête. Il est grand temps de faire une petite réunion de famille. Et qui dit réunion de famille, dit grande fête. Avec Elpidios, on va préparer le sanglier, d'accord ? Du sanglier, ça rappelle des souvenirs. Cassandra et moi, allons chercher des coquillages. On fera un feu près de la falaise. À plus tard, mon petit guerrier. Viens, Cassandra. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas été seuls. Darius est plus heureux depuis qu'Elpidios est là. Les petits-enfants ont un effet très curieux sur les gens. Tu as pu le voir, en dépit de sa grande barbe. À ton avis, que fera Elpidios plus tard ? Savoir s'il perpétuera la tradition familiale, et jouera les Mystios, les confins du monde grec. Mais ce n'est pas si mal. J'ai un bateau. Un navire, d'ailleurs. Il fera ce qu'il veut. Et avant tout, il sera notre fils. Voilà un endroit idéal. C'est parfait, ces petites mares, pour Elpidios. Des coquillages, ça faisait longtemps.
pensais passer du temps avec toi comme ça. J'aime ça. Moi aussi, Cassandra. Moi aussi. D'après toi, à qui ressemble le plus Elpidios ? À toi ou à moi ? Il est beau, alors je dirais à moi. Tu as sans doute raison. Ça devrait suffire pour notre petite fête. Tu aurais pu en laisser un peu aux autres. Retournons à la falaise avant le retour de père. J'aimerais te montrer quelque chose. La falaise est par là. Avec Elpidios dans nos jambes, il est difficile de passer du temps ensemble. C'est qu'il en demande de l'attention. Il tient ça de sa mère. La vue est vraiment... incroyable. Tu as dit vouloir me montrer quelque chose ? Peut-être. Ne me fais pas attendre. On n'a pas beaucoup de temps. Je sais toujours m'y prendre, non ? C'était incroyable. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai amené ici. Ah. Je t'ai amené ici pour te montrer ça. On dirait une sorte de porte-bonheur. Ma mère me l'a donné quand j'étais enfant. Cet objet te protégera. Qu'ils te permettent de traverser les tempêtes. Elle avait raison. Il t'a amené ici. J'aurais aimé la connaître. Mais maintenant, je n'en ai plus besoin. Natakas. Je ne te promets pas d'être toujours là, mais je ferai mon possible. Je ferai comme toi. Le voilà, mon héros. Elpidios a faim. C'est parce qu'il a eu une grosse journée avec grand-papa Darius. Allez, Natakas, Elpidios peut veiller un peu plus tard ce soir, non ? Il a besoin de sommeil. Il s'est assez amusé pour aujourd'hui. Je t'accompagne ? On va se débrouiller. Dis bonne nuit, Elpidios. Presque. Dis-moi, la vie de Bohème te manque ? Ou préfères-tu cette quiétude ? C'est trop calme.
Je suis habitué au grognement des loups tapis dans les fourrés, aux lames que l'on tire des fourreaux. Oui, Dimé est trop calme. Ça te plaît, d'être grand-père ? Les enfants sont merveilleux. Mais un tel amour est terrifiant. Tâche de ne pas trop le gâter. Trop tard. Voilà mon rêve, Darius. Une vie simple. Darius! Va au village. Vas-y, tout de suite. Artabanos, Cassandra, bienvenue chez vous. Orontas, tu travaillais pour l'Ordre. C'est lui l'Ordre, Amorges. Je t'ai aidé, je t'ai fait confiance. Ah, mon ami, cela faisait bien longtemps. Nous étions des protecteurs, Amorges, des héros du peuple. C'est inconcevable. Non, c'est nécessaire. Je n'y prends aucun plaisir, crois-le bien. Il fallait que je t'attire ici, Cassandra. C'est toi que je veux. Toi et ta descendance. Oh ! Ne t'arrive pas, c'est tout seul ! Cassandra, va ! Dégagez, con ! De mon chemin ! Qui veut mourir ? Qui ? Je suis votre châtiment ! Sortez Elpidios de là! Nous partons ensemble! Non! Je vais empêcher l'Ordre de vous rattraper! Il y en a trop! Rien ne t'oblige à faire ça! On n'a pas le temps! Allez! Pensez à votre fils! Je t'aime, Natakas. Père, promets de revenir. Prends soin d'eux. Promets-le-moi. Je te le promets.
pensez pouvoir attaquer ma ville impunément, je vous tuerai tous! S'en prend à ma famille! Personne ne part! Personne ne survit! Reviens ici! Natakas! Elpidios! Tenez bon! Montez à bord, vite! Père, quand te reverrai-je? Où est la porteuse d'aigle? Et l'enfant? C'est trop tard. C'est moi que vous cherchez. Je vous attends. Allez, donne-moi ! Ah 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 ! Ah
Amorges, est-ce que tu l'as vu? Non. La plage. Non, 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 Elvidios!
Mistios. Mon amour. Oh, mon amour. Natakas. Natakas. Je suis là. Je t'en prie. Ne me laisse pas toute seule. Ouvre les yeux. Je t'en prie. Ouvre-les. Tu avais promis de les protéger. Tu disais qu'il ne leur arriverait rien. J'aurais dû rester avec eux. J'aurais dû les protéger. Tout est ma faute. Ma faute. Cette vie, c'est à nous qu'il appartient de payer pour notre passé, pour nos erreurs, pas à nos enfants. Aucun signe d'Elpidios. Mais il est encore en vie, Darius. Je le sais. Si l'Ordre l'a capturé, nous pouvons le retrouver. Toi qui as déjà perdu des êtres chers. Comment as-tu fait pour survivre? Qui a dit que j'avais survécu? Merci pour tout. Pour chaque moment. Magique, douloureux, superbe. Merci pour tout ce temps passé à tes côtés. Je t'aime, Natakas. Je retrouverai notre enfant. Et je le ramènerai chez nous. Fais-moi confiance. Cassandra. Par tous les dieux. Oh, je suis désolé. C'est l'Ordre qui a fait tout ça. Les armes qu'ils ont apportées feraient bouillir de jalousie Arès en personne. Il n'y a qu'un seul endroit dans le monde grec capable d'en produire de telles. Messénia.
Ils en avaient après nous. Après moi. Si l'ordre est en Messenia, alors c'est là que j'irai. Calme-toi, ce n'était pas rien. Malaka. Si, je l'ai vu. Une ombre qui se déplaçait. Que lui est-il arrivé? On les a tués proprement. Les gars sont arrivés, puis ils sont entrés. Il est resté pour surveiller tout autour et... puis il est tombé. Quelqu'un a fait un carnage. Darius. Porteuse d'aigle.
Je ne pensais pas te trouver ici. Sois heureuse que je ne t'ai pas prise pour l'un d'eux. Et que fais-tu en Messenia? Si Elpidios est en vie, il est avec Amorges. Messenia est le bastion d'Amorges. Tu as visiblement compris ça toute seule. Mais il sera difficile de le retrouver. Il est bien trop protégé. Je vais détruire cette ville. Je vais commencer par les portes, casser quelques têtes. Rien ne se mettra entre Elpidios et moi. Non. Un tel plan ne viendra jamais à bout d'Amorges. Il doit être plus précis que cela. Amorges a toute l'armée spartiate avec lui, menée par ses commandants les plus fidèles. Il nous faut d'abord affaiblir ses forces pour pouvoir approcher de lui. Ce n'est pas impossible. L'Ordre possède une grande ligne de production d'armes. Et il y a un commandant derrière tout cela. Commence par parler aux Ilotes. Ils pourraient savoir où ils se trouvent. De plus, le culte de Cosmos renforce l'Ordre en Messenia, sous la supervision de Démocrates, un commandant de l'Ordre. Si nous nous débarrassons de lui, le culte ne sera plus un problème. J'ai des projets le concernant. Une dernière chose. J'ai entendu dire que l'Ordre a capturé un général athénien. Il est absolument vital à mes plans. Il faut le libérer et lui donner cette lettre. Et je retrouverai Elpidios. Dis-moi plus sur Démocrates. Amorges l'a chargé de gérer les relations avec le culte. Il est connu, mais il fait rarement des apparitions en public. C'est une occasion unique de s'en occuper. Ce général athénien, qu'attends-tu de lui? Si nous le libérons, nous en ferons un puissant allié. Où trouver les Ilotes qui possèdent des informations sur le commandant? En Épeia. C'est dans cette région que les armes sont produites. Je m'en occupe. Nous frapperons fort, et vite. Nous? Si nous y travaillons tous les deux, cela ira plus vite. Retrouver Elpidios est ma seule priorité. Je tolérerai ta présence jusque-là. Bien. Nous sommes sur la même ligne. J'ai perdu assez de temps ici. Quand tu en auras fini avec l'Ordre, reviens. Nous aurons encore à faire. Je le vois. Trouvé. Le voilà. Je dois me montrer prudente par ici. A volé nos provisions. Quand comprendrez-vous qu'il ne faut pas nous... Whoa!
Chargez! Je suis libre! Comment pourrais-je te remercier? Je te dois la vie. Merci, Mystios. As-tu vu une ilote qui s'appelle Rod? Oui, elle a été emmenée au centre des Peia. J'ai entendu dire qu'elle y trouvera la mort. Le centre de la ville, je dois me dépêcher. Va se mettre à la recherche. Tu
bouche. Oh. Voilà ce qui arrive quand on vole. Ta mort servira d'avertissement pour les autres. Je me fiche de savoir à qui ça appartient. Nous avons faim. Si tu es là pour profiter du spectacle, la vue est encore plus belle d'en bas, avec les autres. Qui es-tu ? Je ne suis là que pour cette femme. Elle ? On l'a encore prise aux cuisines en train de voler de la nourriture. On a des ordres stricts du commandant pour mettre fin à tout ça. J'ai besoin d'elle vivante. Libérez-la et personne ne sera blessé. Tout a un prix, Mistyos. Nous avons besoin de drachmes pour acheter la nourriture volée. Je paierai pour elle. Dans ce cas, il me semble que j'ai oublié les frais de roulement. La torture est un travail épuisant, tu sais. Tu paies le double et je te la laisse. Hadès, ne lui donne pas une drachme. Tais-toi. Bon, d'accord. Prends l'argent. Non, en fait, il y avait aussi... Arrête. Ça suffit. Oui, oui. Prends cette malaka et va-t'en. Quel soulagement! Merci, Mistyos. C'est une bonne chose que tu sois venu. Encore merci. Attends! Je cherche le commandant. On m'a dit que tu savais quelque chose à son sujet. Le commandant? Oh oui, je le connais. Ça me rappelle de bons souvenirs. Je travaillais pour ce Malaka. Ce commandant a l'air horrible. Il est sans pitié. Il nous faisait travailler jusqu'au sang, et on ne pouvait que pleurer sur notre sort toute la nuit. Les enfants eux-mêmes n'étaient pas épargnés. Voilà pourquoi je vole de la nourriture. Il n'y en a jamais assez. Tu as eu de la chance, je suis arrivée juste à temps. Comment t'ont-ils attrapé ? Ils m'ont prise en train de voler une miche de pain et m'ont condamnée à mort. Alors maintenant, qu'est-ce que ça peut faire si je les vole encore et encore ? Mène-moi au commandant. Je lui planterai ma lame en pleine gorge. Tu comptes l'exécuter ? Formidable ! Des choses se passent en Messénia, Mistyos. Regarde comme nous souffrons, comme nos enfants souffrent. Quelque chose de meilleur les attend forcément quelque part. J'ai un plan pour faire partir les enfants, mon fils et les autres. Aide nos enfants et je t'aiderai en retour. Je vais t'aider, mais tu dois me dire où est ce commandant. Quelle bonté, Mistyos! Je te le promets, tu trouveras ta cible. Mais s'il te plaît, ne le tue pas devant les enfants. Quel est ton plan pour libérer les enfants? Nous avons un pêcheur qui est grassement payé pour ça. Nous devons emmener les enfants à son bateau près des quais. Mais il faut faire vite! Car il partira bientôt. Conduis-moi. Suis-moi. Mère ! Mon petit caillou. Pas le temps de parler. Nous devons partir, maintenant. C'est qui ? Une amie Mistyos. Elle va nous aider à quitter cet endroit. Écoutez-moi. Mère dit de suivre la Mistyos. Restez en groupe pour ne pas vous perdre. Restez en groupe pour ne pas vous perdre. C'est important. Est-ce que tu as un nom de héros, Mistyos ? Un nom de héros, c'est quelque chose pour les plus grands de tous les héros. Ça peut être le nom d'un animal avec le temps qu'il fait. Dites-lui vos noms héroïques, les enfants. Moi, c'est le goût de... Ah ! Ah ! Ah !
Reculez, les enfants. Cachez-vous les yeux, les enfants. Ne regardez pas. Silence! Vous faites trop de bruit, bande de mioches! Dès que j'en aurai fini, je vous apprendrai à tenir votre langue.